Et avec cet acte, Kratos mit en route les événements qui le mèneraient inéluctablement à sa perte. Kratos, comme Athéna l'avait prédit, vous arrivez tard, peut-être trop tard pour sauver Athènes. Mais est-ce bien Athènes que vous êtes venu sauver ? Non, je on ne doit pas s'arrêter. Et quand l'oracle regarda dans son âme, elle y vit une bête en plus d'un homme. Autrefois capitaine dans l'armée spartiate, Kratos ne commandait au début que 50 soldats. Mais bientôt, il fut à la tête de milliers d'hommes. Ses tactiques étaient cruelles, mais efficaces. Ivre de pouvoir, il était craint par tous. Enfin, presque tous. Sa femme était la seule à braver sa fureur. Quand en auras-tu assez ? Quand t'arrêteras-tu ? Quand la gloire de Sparte aura fait le tour du monde. La gloire de Sparte. Tu as fait tout cela pour toi. Son désir de conquête n'avait aucune limite. Mais ce qu'il désirait tant allait finir par le consumer. Dieu du ciel, pourquoi Athéna vous aurait envoyé, vous ? Mais sortez donc de ma tête ! Choisissez bien vos ennemis, Kratos. Seule votre force brute ne sera pas suffisante pour détruire Arès. Un seul et unique objet au monde peut vous permettre de vaincre un dieu. La boîte de Pandore, qui repose bien loin des murs d'Athènes, dissimulée par les dieux dans le désert, à l'est. Mais attention, Kratos. Beaucoup sont partis à la recherche de la boîte de Pandore, mais aucun n'est revenu. Passez les portes dans le désert, Kratos. Là débute le chemin vers la boîte de Pandore. C'est la seule façon de vaincre Arès et de sauver Athènes. Passez les portes dans le désert, Kratos.